Nous, on est là pour. Je suis partie. On m'a envoyé un tout là. Que est-ce que je suis dans. Je suis dans tes choses là. Dis-moi, Makala. Bah que depuis là, je pense que. Quand tu cherches les vues. Dis-moi, Makala. Tu peux me mettre là où on me dose bien le visage. J'ai bagarre. Moi, au moins, je suis une femme, j'ai bagarré avec un gossa. Ça fait quoi? J'ai bagarré avec un gossa. Oui. Oui. Étant sous, étant seule, j'ai quand même montré que je suis une femme. Donc, si tu pas fait les histoires là que tu viens mettre dans les réseaux sociaux, ça fait quoi? Qui te gère encore dans les réseaux sociaux? Hein? Joël Brown, qui te gère encore? Si tu vas mettre les trucs sur moi et puis tu retires, c'est ton problème. Moi, je te gère même. Plus. Tu veux revenir dans la toile. Toi et moi, on a discuté un mec. Hein? Même la vidéo, si tu veux même le tout, la vidéo sur Facebook. Hein? La bagarre. Ma bagarre, au moins, on a reconnu, c'est la CIA TV. Ma bagarre était, tous les Camerounais ont vu ma bagarre. Même ma famille, ma mère a vu ma bagarre avec Moussa. Donc, si tu cherches déjà les vues. Tu cherches déjà que les gens viennent s'intéresser à ta misérable page, c'est ton problème. Si tu veux, moi-même, je sors la vidéo là où j'ai bagarré avec Moussa. C'est sur YouTube. Tu entends, non? Donc, on m'a envoyé ça tout à l'heure. J'ai dit que je m'avais patrouillé, non? Tu tapes seulement bagarre, veuve joyeuse et Moussa. C'est là. Que vous croyez, vous croyez mieux que quoi? Hein? Ceux qui n'ont pas vu ma bagarre, je vous mets la bagarre. J'étais seul. Baga, baga, veuve joyeuse, veuve et je crois que y compris son nom. À l'époque, on appelait compris ça. Hein? Vous aimez tous les problèmes, vraiment. Que toi et moi, on passe même à toi les réseaux sociaux. Voici, c'est ici. Je continue, peut-être certains. Oh, je crois qu'on a peut-être dû enlever même ça dans les réseaux sociaux parce qu'on dit que ce compte. Voilà, c'est ici. Voilà la bagarre. Voilà qu'on peut ici, non? Voici qu'on peut ça. Et la veuve ici. Mais le problème, c'est qu'on dit que. Je veux poursuivre la bagarre. Attends. Voilà, nous voici ici. Voilà, bagarre entre compresseur et moi. Tu attends, voici c'est ici. Je te montre comment ça a commencé. Les voici dans la voiture. Et regardez bien la bagarre. Voilà, elle était avec Nadège Mbapa. Moi je passais ma route, hein. Voilà. Donc si vous voulez voir la bagarre en direct, vrai, vrai, vous tapez seulement à YouTube. Moi je n'ai pas honte de boire, j'étais une femme ce jour-là. Et j'ai bagarré comme une lionne. Et je viens de perdre mon fils, j'ai donné. Donc, Joël Bonne, si tu veux venir sortir ça pour dire que la bagarre, ça fait ceci. Si tu es une femme, va bagarrer avec moi. Va bagarrer avec tes soeurs. Je ne te connais pas. Tu entends? Vous êtes là dans les réseaux sociaux. On vous a déjà oublié depuis. Tu sors ça. Je vous dis que si vous voulez, tapez seulement bagarre compresseur. Veuve joyeuse compresseur. Tout le monde, c'est là-bas. La bagarre qui a fait sortir tous les stars mondiales. C'est la bagarre de moi, ma bagarre avec compresseur. C'est tout. J'étais toute seule. Je n'étais pas avec les gens. Et j'ai tenu comme j'ai tenu. Si Nadia ne voulait pas que voilà tes fesses comme ça, j'allais doser la tête de compresseur au sol. Et je l'ai quand même mis au sol. La seule femme qui a mis compresseur, le dos au sol, c'est la veuve joyeuse. Donc, Joël Brown, je ne te connais pas. Eh, quand tu la chicote, bonsoir. Ça va, ma soeur, j'espère que tu vas bien. On est ensemble. Maman, je suis là, mais n'est-ce pas que je passe vraiment patrouiller. Moi, je passe souvent patrouiller. Quand j'arrive, je dis que je m'avais patrouillé ma part. Donc, Joël Brown, je ne te dois absolument rien. Je ne sais même pas si tu vis, si tu existes. Si ta page existe. Parce que depuis qu'il y a eu toutes ces histoires-ci, on n'entend même plus parler de toi. Vends ton piment tranquillement.
Vends ton amuse pourri. Vends tes choses tranquillement. Au lieu de la veuve joyeuse tranquille. Tu vas mettre les trucs. Tu viens. J'ai un problème avec toi. Hein? Les gens peuvent témoigner. Les gens peuvent témoigner ici. Depuis là, je parle même de toi. On sait, qui sait même si tu dis même encore les réseaux sociaux. Toi-même, si, à part quand tu vas dans les soirées d'Africains, là où on te dit dans les soirées africaines, quand tu mets des aroras, quand tu montres que tu es quelqu'un qui te connaît. Qui te connaît. Voilà ta catégorie. Les Emma l'Ouest, les Manuel Keta, Beza, les Nathalie Nkwa, c'est ta catégorie là-bas. Tu n'aimes pas, tu ne dois même pas être à Facebook avec nous. C'est ta catégorie là-bas. Montre-nous. Au sud, je suis fille de sud. Au sud de nous, on voit Waleminga là-bas au sud. On voit la veuve joyeuse. Hoa. À Yaoundé, Doudou Ngabé là-bas, dans ces choses et tout ça. Kankam, Lolo, les gens de l'Ouest, on les voit. Toi, tu représentes quoi? En tant que Stan Bakata. Oui? Tu représentes quoi, Joël Brown? Tu me cherches pourquoi? Tu me cherches comme la torche. Par rapport à quoi? Tu viens mettre ça par rapport à quoi? L'histoire retiendra, ça retiendra que quoi? L'histoire retiendra que j'étais seul et l'histoire retiendra que j'ai tapé le dos de Ngossa au sol. Mais sache que Ngossa et moi, on est en paix. Tu ne peux plus faire des problèmes avec Ngossa. C'est fini. Oui. Même si Lolo et moi, on défend un peu la même personne, mais Lolo et moi ne se parlent pas. C'est la guerre. Tu entends? Tu entends? Plaisir à mode, c'est mon président et c'est mon groupe. Ce qui est sûr, c'est ça. Si tu as goûté plaisir à mode, c'est peut-être que tu l'as goûté dans le noir. Moi, je ne l'ai jamais goûté dans le noir. Tu entends? Ton histoire avec moi soit encore où là? Qui ignore la vidéo aussi? Qui ignore ce qui s'est passé? Oui. Baga un peu aussi. Quand tu marchais ici à l'époque, on t'a, les gens t'ont poignardé combien de fois ici quand tu faisais la pute ici, à la rue de Tricite ici. À Victor Hugo. Hein? Quand tu marchais, tu mettais les petits jupes comme ça, ça se soulevait comme ça, les petits gars, les petits gars la soulevaient ça, ta jupe comme ça, là, on t'a allé me tuer à ta place. Tu viens parler de qui? J'ai un problème avec toi. J'ai insulté un homme avec toi, Joël Brown. Vous voulez seulement qu'on dise que Joël, la voix Joël a insulté Joël Brown. Alors que c'est toi qui commences. C'est bien quoi avec vous? Je ne suis pas ta catégorie. Toi, tu es une femme de haute classe. De haute classe. Tu conduis les grandes voitures Mercedes. Tu vis au 16e. Tu as tout. Tu veux t'attaquer à moi par rapport à quoi? Hein? J'ai bagarré avec Ngossa Roa. On a même mis ça à la chaîne Equinox. Quand Equinox n'était pas encore tribaliste à l'époque. Mais ma famille, a vu, ça les a fait mal. Je peux te dire ça. Jusqu'aujourd'hui. Ton problème avec moi, c'est encore quoi? Tu sors d'où? Tu viens mettre ça pour faire encore quoi? Hein? Ngossa, c'est ma personne. Je ne parle pas avec elle, mais je n'ai pas un problème avec elle. Tu entends? Oui. Vous commencez toujours à mettre. Quand on va encore mettre tes anciennes choses ici à Facebook, tu vas encore dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as vu qu'il y a mes annonces à annonce et tout, c'est pour ça que tu viens maintenant parler encore avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je te dois absolument rien. Tu vois? Le nom de la veuve joyeuse marche. Même mes enfants ont vu cette vidéo. C'est une vidéo qui est virale. Tu entends, non? C'est une vidéo qui est virale. Chaque temps, on met ça partout, ça ne me dit plus rien. Ça ne m'a jamais dit rien du tout. Donc, là où tu es là, oublie-moi, je t'oublie. On a choisi les gens de la CAGNE. Tu n'étais pas parmi les gens de la CAGNE. Même si on a saboté la CAGNE, oui. Mais on a quand même pris Air France. On a pris première classe, on est parti, on est revenu. Oui. Toi et moi, c'est encore quoi? Tu vois les gens comme ça. Comme, parce que quand elle regarde, parce que parfois, elle parle un peu de Foucault pour dire que Foucault ne la calcule pas. Elle parle partout. Elle sait que la seule personne qui parle encore calcule, c'est la veuve joyeuse. Oui, ça fait quoi? Moi, j'ai bagarré. Et alors, au moins, moi, j'affirme mon. Mais que oui, que ça ne va pas en bagarre. Va aussi bagarrer, tu vas bagarrer avec qui? Ta vie est où? Aujourd'hui, tu prends les vidéos, tu vas mettre machin, tu vas m'envoyer ce que tu as mis. C'est ton problème. Parce que tu veux que je parle de toi et moi j'aime bien parler. Santé Marco, le Kwashoko de ça, le Kamnogo de ça. Une histoire qui est là passée. Est-ce que bon, j'ai écrit la vidéo? Si vous voulez voir, ceux qui n'ont pas vu la vidéo de ma bagarre avec Ngossa, je vous ai dit que tout ce que vous voulez savoir, vous tapez seulement à YouTube. Bagarre
Ngossa et la veuve. Vous allez même voir comment je me défends tout seul. Tout seul là-bas. Au moins, j'ai quand même mis le dos de Ngossa au sol. C'est ma co. C'est tout. Si tu crois que tu vas sortir ça, que après, ça va encore faire des problèmes entre Ngossa et moi. Aucun problème entre Ngossa et moi. Plus jamais. Si même si Ngossa s'assoit pour m'insulter, je ne veux même pas la répondre. C'est ce que j'ai dit dans mon cœur. Je ne veux plus les problèmes avec elle. C'est tout. Donc, ton problème est erroné. Tu entends, non? Erroné! On ne te connaît pas, on ne sait même pas où tu vis. À part mettre dans ton mur là, les artistes, les stars américains. Tu rêves leur vie. Un jour ici, j'étais ici, elle avait mis la photo de Maria Carré. Maria Carré, où c'est elle? Et avec où c'est. On appelle même comment la femme de Kanye West là. Les millionnaires, tu peux mettre la photo. On t'a lavé parce que tu es une femme, quand tu adores, on adore quand tu. Parce que quand je parle de toi comme ça, les gens vont courir aller regarder ta page. Comme ça, quand tu vas un peu, tu vas prendre ta photo avec ton nez qui est mal mis là. Ton nez qu'on a mal fabriqué là. Ton nez là, que tu as sifflé le cou toute ta vie. Que tu as opéré ça 100 fois. Ton nez là qui est artifié, c'est là. Mais, vous savez, les Camerounais ne font un peu rien. Joël, tu as rangé le ventre, quoi. Rangé le nez, rangé les fesses. Mais. Tu es invisible. Invisible. Tu tournes quoi, papa, chez qui? Dans les petites soirées africaines, quand vous êtes dans les soirées africaines, vous allez commander les petits trucs pour filmer et tout. C'est tout. Allez vous filmer avec les stars à Cannes. Allez vous faire les choses. Oui. C'est n'importe quoi. Tu veux que je te lave un peu. Peut-être qu'il faut que je te lave un peu ce soir, Emmy Waros. N'importe quoi. Oui. Elle, il y avait aussi Maria Kaye et Beyoncé, l'histoire que vous entendez ici. Ça a chauffé ici à Facebook. Les milliardaires en France, CFA. Milliardaires, from milliardaires. Toi, tu es ici. Même rien, tu n'as. Tu vas te. Tu avais Maria Kaye, Beyoncé et toi. Les plus belles femmes. Que tu. Ah! Tu as oublié. Toi, mais quand t'avais arrêté, parce que tu fais des gens aussi. Il faut parler d'elle. Parce qu'elle fausse, j'ai ce qu'on avait interpellé au Cameroun. Hein. Il fallait la voir dans la région. Elle avait noirci le même jour-là. Ici. Avec la petite métisse. Tu as oublié toi-même. Tu veux qu'on te rappelle tes histoires. Nous, on ne sait même plus si tu respires là où tu es là. Donc quand tu viens chercher les premières voix comme ça, calme-toi. I know du slimel you. I know du ya you. I know du look you. Look what? Laisse-moi dans mes choses à Facebook. Ngossa, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma soeur, Bassa, Bakoko. Donc, viens mettre ça. Donc, je dis qu'elle est irrecevable. On n'accepte pas ce que tu viens faire là. Parce qu'on voit déjà là où tu veux venir. Tu sais que, tu savais très bien que quand tu vas dire que Bolingo machin, tout, je vais te répondre. Mais moi, je te réponds à tes délivrants que va dans ton rang. Les rangs des ratérateurs. Les rangs des rêveurs. Ceux qui devaient épouser les riches et qui n'ont pas eu leur chance. Va dans les rangs là. Vous êtes nombreux ici à l'heure si tu es là en train de fumer ton banga tranquille. En train de. Tu sais qu'on a déjà levé tes narines là deux fois. Parce que on t'a mis un truc ici en plastique. Bah, tu sais que tu as le plus laine du monde. Tu as le plus laine du monde, sans te mentir. Parce que il y a les fils qui font leur nez. Tu vois, d'abord que moi je suis né avec un très beau nez. Mon nez devient écarté à cause de la cocaïne. Peut-être c'est pour ça, je ne sais pas. Mais moi, j'ai un très bon nez. Toi, tu as déjà fait ton nez, arrangé ton nez plusieurs fois. Le nez est toujours laid. Tu es toujours obligé de mettre les accessoires, les make-up, pour que ton nez soit un peu comme un nez de quelqu'un qui est normal. Moi, j'ai arrangé mon nez. Non. Parce que I am the naturel. I am the woman in the naturel. Tu entends? Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. J'ai des tatouages. Ici, j'ai tatoué ici, à l'époque. Et j'ai un petit tatouage ici, là où il y a les crapauds là-bas, en bas là-bas. C'est tout. En dehors de ça, je n'ai pas besoin de tatouage. Tu entends, non? Parle ta part. Oublie la veuve, je ne te connais pas. Anno di Yayou. Anno di Yayou. C'est vraiment les gens comme ça. Tu sors d'où? J'étais fait quoi? Tu crois qu'un gosse, moi, pas encore s'asseoir sur les réseaux sociaux et faire le bordel? Jamais. C'est moi qui décide. J'ai décidé que je ne veux plus faire le problème avec elle. Donc, si tu vois maintenant que toi et moi, viens mettre ce que tu veux dans ta page.
dont tu vivais encore. Mais c'est, vous savez un peu, c'est marrant comme ça. Les gens que tu oublies, qu'ils existent même dans les réseaux sociaux. Hein. Et depuis que nous, on est là. Et depuis peut-être un an, on ne sait pas si tu vis. Quand tu sors, que quand tu es invité dans une soirée, il n'y a que chez les Africains qui viennent mettre les grandes robes des Aurora. On appelle ça comme l'éventail. Pour qui va te voir là-bas? Qui te considère là-bas? C'est là-bas qu'il y a les doigts que tu mets tous les. Là où on voit ton cul et tout. Que là où il y a les doigts. Alors que tu peux mettre les habits là pour partir là où il y a les pauvres d'Edji là-bas. Là où les pauvres d'Edji. Là où il y a dans les bateaux. Que tu parles là-bas, on voit aussi. Rien. Oui. Regarde les vraies filles. Les Coco et Emilia. Même une fois, hein, elles ont les vrais réseaux. Ton réseau se résume à quoi? À te réveiller dans les deux bas de la nuit pour venir mettre les photos là où je bagarre avec Ngoussa. Ça fait quoi? Moi-même, j'ai quand même fait. Toi, tu as bagarré avec qui? On t'a déchiré toute la nuit. On t'a tapé avec les pilons ici. La bête de baseball dans les comment on appelle ça? Là où on garde, là les garages ici en France. Là, on va te niquer. Tu veux demander l'argent, tu sors les billets de baseball et tu me parles, moi. J'étais fait quoi? L'histoire retiendra que toi, tu ne seras jamais star. Tu n'es même pas star, Mbrakata. Tu vas rester une envieuse toute ta vie. C'est-à-dire que tu vas regarder les Beyoncé avec les Jay-Z. Tu vas regarder tous ces gens-là. Et puis, c'est eux que tu vas valoriser dans ton mur. Parce qu'il n'y a que ça. Oui. Marie, toi aussi, on voit. On voit le grand mariage parce que toi, alors il faut que tu te maries. Hein. Même si je te dis que Joël, si tu te maries, même si d'abord, je ne peux jamais être invité, ce que je suis, c'est ça. Bon, je veux quand même regarder un peu le mariage. Je veux te mettre dans mon mur. Je veux changer ma photo de profil. Je veux mettre ta photo que voici ma soeur ici qui s'est mariée, pas avec un milliardaire. Il y a check. C'est toi qui viens me. Ne me cherche pas. Peut-être que tu veux que je tourne. Comme c'est les temps si. Je suis avec Marie qui se bouge et que il faut que s'il faut une deuxième personne, je te dis que toi et moi on va finir que mal, très mal, parce que je n'ai pas peur de toi. Tu entends, non? Je ne mange pas les maquereaux. Je n'ai pas. Tu as coupé le ventre, les seins, même les seins que tu as refait. C'est l'argent de Mathilde Brun qui t'a prêté parce que le gars là t'avait touché les seins, il t'avait tapé parce que tu l'avais volé. Tapé les seins, c'est Mathilde Brun qui t'a aidé. Jusqu'à quand tu es parti de retirer tes anciens trucs qui tombaient déjà jusqu'ici là, quand tu as remis. Tu l'as remis l'argent de Mathilde Brun. J'ai l'argent, tu as quoi? Les gens d'Ali, les habits d'Ali Express. On t'a dit que je porte Ali Express ici au Ghana. Moi, je m'en vais au marché, je vais acheter ma paire de vêtements, je viens porter. Tu attends, non? Tu sais ce que c'est ça? Lise Charmel. Oui? Tu peux porter ça? Regarde-moi une chose comme ça. Jusqu'à ce qu'elle vient attaquer Madame Desgrémont. Et là. Mais ouais, le son était. Mais ouais, laissez-moi. Moi, j'étais moi dans mes partout. Je dis que. Comme si moi, j'ai dit quand il ne veut pas dormir, je suis partout, je regarde moi les choses et tout ça. C'est quoi? C'est tout le monde qui se réveille le jour là demain. Vous voyez, c'est quoi? Je vous dois quoi? J'ai dit que je suis star. Moi, je suis star Mbrakata. Dans les Mbrakata choses. Toi, tu sors d'où? Va défendre ton plaisir à mort. Parce que c'est là-bas que tu manges aussi, chaque temps, on t'invite partout. Les mariages, tu es invité. Les anniversaires, tu es invité. Partout. Va les défendre. Tu viens défendre Coutelina. Quand Coutelina t'a fait quoi? Il faut oublier Coutelina, hein? Coutelina t'a fait quoi de tout si? Ma dégrépite t'a fait quoi? Ah. Vous voyez comment on commence souvent à Facebook? Coutelina t'a fait quoi? Tu viens mettre que quoi? L'histoire retiendra que tu n'es pas star. Voilà tes copines avec qui vous montez les mêmes choses, vous filmez dans les beaux hôtels. Elle veut pénitia, elle veut ça. Les voilà là-bas que tout le monde. Toi, tu es effacé. Comme là, tu es effacé, personne ne te voit. Abîmé. Je dis que je vais le bon. On ne sait même pas qui tu es. Parce que quand on te voit, d'accord, on voit d'abord ton visage avec ton gros nez que les gens ont mal ficelé là. Quand tu vois ton nez, est-ce que tu trouves que ton nez est beau? Ton nez est beau. Regarde bien ton nez, c'est pour ça. Tu ressens ma un homme, un travesti. Tu parles à qui? Tout le monde est pareil. Je préfère mon gros ventre ici. Regarde, je suis bon. Je te
je te mets un défi. Voilà ma perruque ici. C'est la perruque des directs. Regarde, regarde comment je vais changer. Regarde. Tu as vu le changement de l'histoire? Regarde-moi très bien. Imagine que je me maquille comme toi là. J'arrange bien mon visage. Tu peux? Tu me peux? Tu peux la voir joyeuse dans la beauté? Regarde-moi. Dans mon garde ici. Regarde-moi, Joël Brown. Mettez, filmez-moi bien et vous mettez Joël Brown. On est pareil. Ma diva makala. De makala de ça. Diva de mes fesses. Regarde mes narines. Bien propre. Regarde ici. On m'a rangé ça encore bien. Oui. Maman, on te met. Tu as un visage qui n'est un visage quelconque. Tu as un phénomène inexpliqué. Tu ressembles à un travelo. Tu es une femme, toi. Un travelo, tu ressembles à un travelo. C'est pour ça que tu n'arrivais pas à trouver un homme à ta juste valeur. Parce que quand l'homme te réveille le matin avec toi, quand tu enlèves ton make-up, il va d'abord voir les taches. Vous savez que les taches de Kamnogo que tu as là depuis des années, les taches de Kamnogo qui sont partout sur toi, que tu n'as pas pu effacer. Et tu viens pas là. On dirait que j'ai les taches sur moi. Même mes pieds caïmans, si l'homme va se lécher mes pieds caïmans, pour toi, ça va être comment? Tu viens t'attaquer à la voix joyeuse. Au conjugal. Partagez-moi la vidéo aussi et abonnez-vous. Regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. Tu veux que je te lave? Tu veux me laver par rapport à quoi? Je t'ai fait quoi? Maman, les gens, on a oublié les oubliés de l'histoire de Facebook. Les oubliés de l'histoire de Facebook, c'est eux qui viennent m'attaquer ici. Parce que, oui, il n'y a que le nom de la voix joyeuse qui fait vendre en ces derniers temps. Et oui, chaque personne a sa gloire. L'histoire retiendra que la gloire de la veuve joyeuse. Ouais. C'est tout. Et les gens qu'on a déjà abandonné. Parce que qui de vous, vous ou moi, qui pense encore que Joël Brown existe? Vous me dites-moi. On a déjà oublié. Maintenant que la veuve joyeuse a répondu, maintenant tout le monde va aller encore regarder sa page, que c'est comment ici. C'est tout. La veuve joyeuse vend. Oui. La gloire glorieuse. Va charger, maman. Les anciens junkies, les vrais junkies de la toile sont là. Tu parles à qui? Et faut, je vous dis d'abord qu'il faut me laisser. Laissez-moi. Je dérange qui sur la toile. La voix joyeuse est là. Il faut qu'on en sorte les anciens dossiers. Il faut aussi sortir les anciens de ceux-là, on t'a dosé dans les signes, on les appelle comment? Les gens de l'Est, là. Les Albanais. Parce que, elles ne voulaient pas laisser la place là-bas aux filles albanaises de travailler. Un Albanais qui est venu avec l'argent. On l'a mené au sous-sol là-bas. On l'a d'abord fini avec elle, comme elle criait plus que Marie Kizibouzou. On a fini avec elle, on a cassé les signes. C'est ta soeur. Il fallait seulement qu'on enlève la souffrance de ça. Tu avais l'argent. Tu es venu me trouver ici, non? N'importe quoi. Hé, ferme ta gueule avec moi. Je n'ai jamais eu le Kamnogo dans ma vie. Parce que si on dit que montons nos corps, je ne suis pas sûr que les gens vont aimer ton corps. Parce que le Kamnogo a rongé. Rongé tes fesses, rongé partout sur ton corps. La saleté de ça. C'est celle-là qui vient parler. Donc il faut laisser la veuve. Je ne vous dois rien. J'ai dit que quand ça ne va pas, je m'avais patrouillé, je viens m'asseoir dans mon gamme ici et je vous parle. C'est tout. En dehors de ça, je ne te dois rien, Joël Brown. Alors, n'essaie même pas de m'attaquer parce que moi je suis Mouraouaou. Mouraouaou, je ne te connais pas. Je n'ai pas de problème avec compression. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. La seule personne entre femmes que je m'attaque. Il y a Marie qui se pose un peu de loup. C'est tout. Le reste là, je n'ai pas de problème avec eux. Si tu veux m'attaquer, viens avec les bons arguments et je vais te répondre. Connaissez-toi. Je vais te montrer que je suis la patronne du Nganda. General Warriors. Tu entends, non? C'est tout. Voilà. Mais Warriors, je vous laisse. On est ensemble. Envoyez ce message-là à Diva Makala. Diva Makala, t'es carnivore. Donc, n'essaie pas avec moi. Parce que moi, je suis Mouraouaou, je t'ai rien fait. Ne m'insulte plus jamais. Tu entends, non? Si tu veux continuer avec moi. Moi, je suis déjà morte. Hein? Je suis cabri mort. Cabri mort ne peut plus mourir. Tu
Tu entends? Je suis déjà morte depuis. Je suis déjà morte à Facebook. Enterré, déterré, réenterré, redéterré. Tu ne me connais pas très bien. Peut-être que toi, tu n'es pas encore enterré comme moi. Je vais te faire ça du. Sur ce, mes warriors. Bonne nuit. Demain matin, je me lève. J'ai en tout cas fait très urgent. Bonne nuit. Je vais quand même encore patrouiller un peu.